Salut tout le monde! Débile capotant, je pense que je commence tout le temps mes vidéos pareil parce que chaque vidéo, genre, m'excite à faire, mais là, ça, c'est le summum! La plus grosse collection de l'année. En fait, de toute la vie de Will & You, on capote. Tu sais, veux pas, Alex pis moi, on part un peu de rien. Fait qu'à chaque année, on évolue, puis vous évoluez avec nous, puis on capote, puis à chaque fois, on est encore plus fiers de nous. Fait qu'on espère que, ben, en tout cas, à date, vous avez vraiment une réaction incroyablement positive. On est vraiment contente. Je suis énervée. Fait qu'on va tous vous montrer la collection en détail. Donc, c'est vraiment important de tout écouter la vidéo si vous... pensez avoir des questions. En fait, on devrait répondre à pas mal toutes vos questions. On vous montre à la fin du vidéo toutes les mix and match que vous pouvez faire. En tout cas, ceux que nous venaient vraiment rapidement en tête. Mais avant, je vais quand même vous dire les points qui reviennent toujours comme questionnement lors du lancement. Les grandeurs, est-ce que c'est standard? Tout est standard, sauf ce qu'on a remarqué, c'est de prendre la robe... la robe rosie, que j'ai pas avec moi de ce motif-là, là, vous allez voir, on n'a pas 158 robes, là. La robe rosie, parce que les bretelles ne sont pas ajustables, fait que vous allez voir plus loin dans la vidéo, fait pour éviter que ça tombe, prenez une grandeur plus petite, vous allez être sûr de votre shot, la longueur est bonne de toute façon, fait que si, mettons, ton enfant porte 6 ans, puis que tu prends 5 ans, inquiétez-vous pas, là, elle aura pas la fesse, moi, la fesse à l'air! Fait que voilà, moi, c'est ça que j'ai pris pour les filles, Alex aussi, puis à date, tout le monde, ça va à merveille. Sinon, prenez vraiment toute votre grandeur normale. Les maillots, je vais vous montrer les maillots d'ailleurs, là, parce qu'on les avait pas, vous allez voir la magie de la télé. On était au chalet quand on a filmé cette vidéo-là, sauf qu'on n'avait pas les maillots. Donc, je vous les montre, sincèrement, tellement beau. Puis la différence, l'amélioration en fait avec lui de l'an passé, c'est que l'an passé, il y avait le même creux dans le dos que le monde capotait parce que ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment un beau dos. Sauf que il y en a qui disaient que ça tombait. Tu sais, mettons, le monde plus sportif qui voulait faire du paddleboard ou peu importe, ben ça disait que ça tombait. Surtout si t'avais comme pris la chance de prendre une grandeur de plus que d'habitude vu que c'était un one piece. Des fois, on est plus long pis tout. C'est sûr que quand c'était pas la bonne grandeur, ça glissait. Fait que, on a fait rajouter le petit, la petite bande en arrière comme ça. Pour ce qui est des femmes, il n'est pas, tu sais, fait que vous pouvez vraiment le serrer comme vous voulez. Et pour les enfants, il est déjà, tu sais, c'est un faux nœud comme ça. Fait qu'il est déjà de même, puis sincèrement, il va tellement bien. Et petit détail, voyons, au niveau des fesses femmes, ok? On l'a pas mis pour les enfants, là. Mais j'étais là, Alex, voyons, ça fait dommage des belles fesses, ce One Piece-là. Regardez ce qu'Alex, elle a fait mettre, OK? Je l'avais même pas remarqué avant de l'essayer. Il y a comme des petits plis, OK, sur les fesses, comme ça. Ça fait en sorte que, oh my God, ça vous fait une paire de foufounes d'enfer. Fait que vraiment un gros coup de cœur. Le confort est incroyable. Ça aussi, en parlant de grandeur, vous voyez, moi, je suis comme rendue à portée médium. Puis là, j'ai pris large. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai le réflexe de prendre large à cause que j'ai les foufounes bombées. Mais en même temps, j'ai bien fait de prendre large parce que le tronc, de toute façon, il voit la charte de grandeur là, dedans. Mais le tronc, il est comme un petit peu plus court, je trouve, que mes autres One Piece. Fait que prenez vraiment le temps de regarder la charte au niveau... One Piece, parce que ça veut pas dire que vous allez être obligé de prendre une grandeur de plus si vous avez comme pas un long tronc. T'sais, moi, je suis quand même grande, fait que j'ai pris une grandeur de plus, mais probablement que si vous êtes tout petite, mini format, ça va peut-être vous faire votre grandeur de l'habitude. Fait que vraiment, charte. Puis, là, c'est pas échangeable, hein, fait que échangeable remboursable. Fait que prenez vraiment le temps de regarder la charte. Alex a regardé, regardé la charte pour être sûr que tout était correct pour la collection. Sinon, je vais commencer par vous montrer les accessoires. Je m'y attendrai pas tant longtemps que ça parce que les accessoires, on n'en a jamais vraiment beaucoup. Fait que, tu sais, même si je voulais vendre pendant une demi-heure parce que c'est vraiment tout des coups de cœur, là, c'est toutes des choses qui sont pensées à bien accessoiriser la collection printemps-été. Mais c'est ça, les quantités sont limitées. Fait que, tu sais, si vous voulez, comme vous notez... vous notez ce que vous aimez le mieux. De toute façon, je vous les ai flashés depuis 2 semaines. Fait que on a des nouveaux choux. On a les choux satinés ici. Je vais pas me tromper les couleurs. On a ça puis le noir. Où est le noir? En tout cas, on l'a aussi en noir. Regardez ça, le mauve. Tu sais, ça va vraiment avec notre collection. Là, c'est très très coloré. Fait que le chou mauve, le chou satiné rose comme ça. Et lui ici qui est comme plus basique, qui passe partout. Puis ce que j'aime, c'est que c'est vraiment
c'est un gros chou, là. Fait que, moi, nous, c'est vraiment ça qu'on aime, là. Tu sais, mettons, tu te fais juste une couette bien basique l'été, on aime ça, là. T'sais, moi j'ai beaucoup de cheveux maintenant avec les rallonges, puis là on voit pas full bien, je l'ai pas fait assez haute, mais il accessoirise vraiment bien. Sinon, on a les cheveux un petit peu plus basiques qui sont encore, ben ils sont tous plus gros, la même grosseur. On a la même grosseur qu'on a en trois couleurs ici. Même chose, on est allé dans des teintes qui allaient fitter super bien avec la collection. Puis sincèrement, c'est con là, mais le nombre de tours est comme parfait. Autant pour ceux qui ont beaucoup de cheveux qui en ont pas beaucoup. Là, l'autre fois, j'ai mis dans les cheveux des filles, puis on s'entend, on n'a pas la même chevelure et c'était parfait. Sinon, on passe les pinces. On ne pouvait pas passer à côté de mettre des pinces dans les accessoires. Donc, regardez ça ici. Les pinces, ils pincent vraiment bien. C'est con, là, mais genre, moi, j'ai des rallonges. Fait que c'est rare, je mets des pinces, mais comme, je pense que je pourrais faire un 2, 3 burpees, puis ça tiendrait, là. Fait que la petite, tu sais, elle est comme verte, comme ça. Petite rose ici, mais rose transparent, fait que tu sais, ça fait vraiment très doux dans les cheveux. Et la petite orangée qui est comme pas exactement la même forme, mais qui pince pour vrai aussi bien. C'est fou là, genre ils vont vraiment vite. Fait que je les aime vraiment beaucoup, on en a pas beaucoup par contre, fait que hein, mettez-vous. Oh, il y avait un petit bleu ici en chou. Ensuite, les petites pinces vraiment trop cute qui font très très très. Automnal, printemps-été, les petites barrettes. On a deux sortes de barrettes. Ceux en boucle dentelle comme ça. Trois couleurs. Regardez ça comment c'est trop cute. Sincèrement, là, ça, là, autant dans les cheveux de bébé que. Tu sais, c'est trop cute! Moi, ça serait mon genre, je pense, d'en mettre deux. Tu sais, ils sont vendus à l'unité. Fait que vous pouvez comme faire vos mix préférés, mix comme vous voulez. Fait que comme ça, c'est comme un petit crème, là. Je sais pas si vous voyez bien. Et un petit vert aussi. Comme vous voyez, on est encore été dans nos petites collections couleurs thématiques de la collection. Les autres, même principe, petite dentelle, vraiment doux, doux, doux. Mais en clip comme ça. Vraiment trop cute. On dirait comme un petit lainage dentelle, là. Regardez ça, petite sauge ici. La petite rose un petit peu plus pâle. Tu sais, c'est même pour vous là, c'est tellement cute, je trouve là. C'est moi là ce que j'aime des accessoires de même là, c'est que je peux autant les mettre que mes filles, fait que c'est une bonne investissement. Sinon notre item vraiment passe-partout que je crois que les gens vont s'arracher parce que sincèrement moi je les adore. Si vous avez une petite fille, moi Zoé, elle a vraiment pas beaucoup de cheveux. Fait que soit que je prends des mini élastiques, tu sais, de bébé qui tire les cheveux et elle haït ça parce qu'elle est hyper sensible, ou que je prends un trop gros chou pour ses cheveux. Fait que regardez, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est comme des petits élastiques qui fait pas de plis. Mais ils sont tout petits. Fait que genre autant là, tu veux te faire moi là ce que je fais avec Eléa qui tolère pas non plus une couette là. C'est que je fais tout le temps comme une couette, une toque basse en bas de la tête comme ça, fait qu'elle peut mettre comme sa tuque. Là, c'est sûr que là, ça va être l'été, il n'y aura plus de tuque. Mais sincèrement, là, puis genre, ça tire zéro les cheveux. Fait que moi, mes enfants, ils adorent ça. Regardez, c'est comme. C'est aussi encore un accessoire pour toute la famille. Des belles couleurs. On était très, très colorés pour cette collection. Ensuite, ça, il va niveau. Je vais vous montrer le bandeau avant, vu qu'on est dans les cheveux. Coup de cœur ici. Petit, vous avez remarqué que c'est très coloré. Par contre, on est quand même un peu style beau. Ouais, c'est pas encore parti cette mode-là. Regardez le beau bandeau. Ok. Il y a plein de façons de le porter, mais moi j'adore le porter de façon. J'appelle ça de façon hippie, là, mais ça rajoute tellement un look, là, je trouve, vraiment. Sinon, comme ça. D'après moi, la plupart du monde ont comme. Hey, c'est fou. Ah, vous voyez, on dirait que j'aurais comme pas. J'aurais eu comme le réflexe tout de suite de le porter par-dessus. Puis là, on dirait que. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, puis ça tient vraiment bien en plus. Je sais pas si c'est à cause comme du tressage, là, mais. J'adore, 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 j'adore. Lunettes soleil. On a une version bébé et une version femme. La version femme, c'est vraiment comme. On s'est dit qu'on. On se sentait comme stylé pour l'été. Fait qu'on a osé, ok? Moi, j'ai pas une très grosse face. Fait que je sais pas
si vous allez trouver ce beau genre dans ma face. C'est quand même gros, mais tu sais, mettons, même avec du rouge à lèvres, puis une belle couette, là, ça peut être tellement beau, genre une sacoche. Là, je vais vous montrer les sacoches qu'on sort, là, mais tu sais, c'est comme, on dirait que t'as payé 2000$, on dirait que c'est des Dior, mais finalement, du beau petit plastique, un petit look, c'est bien parfait, puis tu sais, sont vraiment, je veux dire, sont très très belles, là. Fait que les lunettes pour femmes, petit coup de cœur ici, j'ai plus de bébé, je suis comme triste. C'est, on a trouvé des lunettes pour bébé, ok, mais avec un attache comme ça, je veux vraiment que vous voyez bien, hein. Regardez, ouais, comme ça, vous pouvez l'enlever là si vous vous aimez pas ça, là, mais je trouve ça tellement pratique, là, c'est pour que ça reste en place, c'est vraiment bébé, là, tu sais, même moi, je pourrais pas mettre ça à Axel, là. Je vous dirais bébé, tu sais, vous voyez la grosseur, là, faut qu'il y ait une petite, ben, Axel, ça ferait super, mettons que 2-3 ans, c'est limite, mais tu sais, bébé, c'est trop cute! Pis tellement pratique, là, ça avec une petite casquette, oh seigneur! On les a en noir, puis on les a aussi en petit verre. Là, je pense que je l'ai perdu. Et tu sais, dans mon divan, je dis sauge, mais j'ai comme, c'est comme un petit brun un peu. Très, très, deux couleurs très neutres, hein? On s'entend quand c'est des accessoires, surtout bébé, là, on aime ça que ça fit avec tout, parce qu'on n'a pas 1 million d'accessoires pour eux. Ensuite, pour les... sacoche. Vraiment, vraiment, trois coups de cœur ici. Je suis vraiment contente d'être obligée de vous les présenter. Comme ça, après ça, je les garde. J'aurais pas su quel choisir, là. Vraiment, là, regardez le petit sac à dos. Sacoche sac à dos, en fait, là. En route, c'est tellement parfait. Moi, j'adore ça en sac à dos. Surtout, mettons, tu vas avoir du style, mais que t'as les enfants à traîner, tu sais. Tu t'en vas au parc, vraiment du style avec ton sac à dos en arrière comme ça. Super facile à ouvrir, mais en même temps... il y a un zip ici. Fait que vous pouvez comme, tu sais, zipper pour pas rien perdre. Il y a une petite pochette à l'intérieur. Comme ça. Ça aussi, on en a pas beaucoup. Puis, hein, déjà, toute l'équipe, nous autres, on très peu dessus. Vraiment, vraiment, vraiment belle. Puis, tu sais, est vraiment de qualité, là. C'est très, 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 très belle. Ouais. Je suis vraiment en amour avec ce petit sac à dos. Et les deux sacoches aussi, c'est vraiment le meilleur exemple. Une chance, j'ai les deux, je ne saurais pas quelle prendre. Parce qu'on a la version sac à main plus couleur printemps. Incroyablement des belles couleurs, tu sais. C'est comme un blanc beige. Un petit rose et sauge. Tu sais, c'est comme les trois belles couleurs au monde. Ça vient avec une languette comme ça. Je vais vous montrer la version noire, là. Puis ça, c'est ça, l'autre version, c'est noir. Fait que, est-ce que tu veux un basic ou t'en veux un comme... qui va être plus coup de cœur, en tout cas, c'est à vous de décider. Fait que, regardez ça, les petits détails, ça aussi, là, tellement de bonne qualité. Puis c'est ça, ça vient avec une chaîne et ça vient avec deux sortes de bandoulières, en fait, là. Regardez, si vous préférez comme l'aspect plus solide, si on veut, là, tu sais, c'est vraiment une bandoulière comme ça. Mettons que vous loadez votre sac à main jusqu'au bord, c'est vraiment parfait. Une pochette en avant, encore une fois, un zipper ici, mais deux petites... mettons, tu veux glisser ton téléphone. Je les adore. Sérieux, bonne chance à choisir quelques que vous allez prendre. Soit la colorée, ou soit la basic pour aller avec tout. Mais c'est printemps, mais c'est un basic. Bonne chance. Sincèrement, là, les trois, je pense que j'en ai abusé cet été. Ensuite, vous voyez mon chou noir. Petit bijou, on a sorti seulement deux bijoux. Ben parce que on a eu vraiment juste un coup de cœur. On a les boucles d'oreilles, vraiment trop belles. Je vais les enlever comme ça. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Je sais que vous voyez comme faux. Il y a comme un petit nœud. Ouais. Ils sont tellement belles. Ils sont comme pas fragiles, là. Ils sont quand même épaisses. Fait que ça, c'est le fun. T'as pas peur de les briser. Fait que comme ça. Et c'est pas vendu ensemble, c'est vendu individuellement. On a le petit bracelet qui fit avec tellement délicat, mais en même temps, le petit nœud fait en sorte que c'est stylé. Fait que nos petits bijoux de la saison. Je ne crois pas que j'oublie quelque chose. Comme je vous dis, de toute façon, vous aviez probablement vu passer ça sur nos réseaux sociaux. Sinon, allez fouiller dans nos publications. Sur le site aussi, on a plein de photos. Je pense que je me suis tellement énervée qu'il y a des fois sur un produit, il y a comme 10 photos pour que vous voyez bien le produit. Fait que sur ça, ben, on se retrouve au chalet!
On va vous présenter toutes les matchy-matchy en premier. Vous Parce allez que c'est voir... le plus excitant, je trouve. Ah, vraiment? Puis vous allez voir, il y en a pas à peu près. Yes! On commence avec la veste, ma préférée, la Ariel. Honnêtement, moi, elle me fait vraiment penser à une petite sirène. Fait que, ah, c'est vraiment ma préférée. Vous allez voir le dessus, il est extrêmement doux. Ah ouais, c'est léger. Ouais, il est confortable. C'est pour ça qu'on a pris ce tissu-là en été, tu sais, je veux pas, c'est ce que vous allez porter cet été. Oui, puis c'est vraiment pratique, là, les vestes, là, vous nous l'avez demandé. Ouais, c'est ça. Ça, c'était vraiment votre demande, parce que les deux dernières collections qu'on a faites, c'était que des crew neck. Puis là, oh, vous allez-tu revenir des vestes? On pensait que ça allait moins pogner, mais la demande était là, donc... Voici des vestes pour la prochaine collection. Fait en adulte... Ben, hey, pour vrai, là, sont toutes malades. Vous allez voir, débiles. Là, c'est con, mais ça, là, c'est probablement les choses que ça a été le plus long à faire, les tests de... Vous allez voir, il y en a d'autres mix de couleurs. C'est ce qui a été le plus long, hein, ouais. Alex? On a changé 15 fois, genre, les trios de couleurs. On voulait que ça ait du sens, en même temps que ça soit coloré. Ouais. On a aussi la Noémie. On a dû l'appeler la Pâque. Ah, sérieux? C'est qui? Ah, oh, c'est débile. Magnifique, ouais. Ouais, puis Vic, présentement, est là, en adulte. Je vais vous montrer ça, là. En fait, si vous avez écouté nos vidéos du mois de février, ouais. Je vous l'avais montré, là. Puis, tu sais, moi, j'ai la small, là. Je sais pas si j'essaie de poser un peu ma caméra, là. Moi, dans la vie, j'aurais eu tendance à prendre même une veste large. Là. J'aime ça quand c'est vraiment lousse. Là, j'avais le goût de l'essayer, c'est une small, et pour vrai, je me demande si je vais pas l'acheter en small. Max, medium. Parce que, pas parce qu'elle est faite petite, en fait, elle est true size, c'est juste que le fait que ça soit ajusté, je trouve ça vraiment beau comme look. Ça fait un autre look. Ouais, ouais, vraiment, tandis que si, mettons, j'avais pris la large, ben ça aurait fait plus un peu lousse. Ouais, ouais. Plus lousse, mais tu sais, des fois, c'est ce qu'on aime. Ouais, ça dépend le look que tu vas aller rechercher, là. Fait que ça, c'est nos deux vestes pour enfants, et il y en a un autre, mais pour garçons. Yes! Par contre, elle a pas quand même... C'est ça, je m'en allais dire, ben... Moi, je serais déjà à mettre la mauve, mettons, à mon gars, je pense. En tout cas, on va l'essayer. Mais elle... Ouais, elle pourrait faire aussi aux filles, là. Ouais, ouais. On pense beaucoup à... Parce que vous êtes beaucoup à vouloir matcher toute votre famille. Fait que moi, je trouve que les couleurs gars, souvent, ça fait plus... Ah, pas que ça fait plus gars et filles, c'est que le monde ose moins mettre du rose à leur gars, peut-être. Fait que, tu sais, bleu, le monde ose plus mettre ça à leur fille. Ouais. Fait que je dirais que si vous voulez faire un mix de veste, ben la bleue et turquoise, ça fait. Puis encore là, on a fait la même chose que le mauve. Deux teintes de bleu, le petit. Aqua. Le petit aqua. Ici, on a la veste Fred. Comme ça, ici. Honnêtement, elle est vraiment belle. Ouais, moi, je la mettrais. Ouais, moi aussi. Puis elle va jusqu'au 2XL. Fait que. On a vraiment été dans ce que vous avez acheté dans adulte. Ouais. Fait que c'est vraiment ce que. Tu sais, les grandeurs qu'on sort, c'est parce que c'est ça qui sort. Aussi simple que ça. On a aussi en twinning. Yeah! Elle fait tellement bien, là. Oui. Vous allez voir sur les photos, là, c'est incroyable. La Rosie, honnêtement, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. L'élastique à la taille fait cintrer. Puis, on a mis le bas aussi en jersey. Ouais, on vous cachera pas qu'on c'est vraiment pas notre première essai. Là. On l'a fait modifier parce que c'était quoi au début? Au début, qu'on avait c'était fait? Comme un petit peu plus crinoline, si on veut. Là. Alex avait l'air d'une poupée. Ouais, c'était comme un petit peu trop poupée. Fait que on a décidé de faire ça un petit peu plus léger puis ouais, moins rigide. Ouais, moins rigide. Moins rigide. Vraiment plus doux. Puis on l'a aussi au prêt. Ah, puis je vous le dis, elle fait incroyablement bien. La longueur, là, tu vois, comme ça, je trouve qu'elle a l'air courte, mais vraiment pas. Ah non, non. Puis ça ici, là, ce que je trouve, là, c'est qu'au niveau de... c'est courant. Ça couvre vraiment bien. Ouais. Puis on a fait les bretelles un petit peu plus larges pour éviter justement de voir la bretelle de brassière. Puis pas être obligé de mettre une brassière, pas de bretelles, là. Ça, c'est juste pour le look. Oui. Ça, c'est important. Ça se détachera pas, ça se détachera pas. C'est vraiment juste, on voulait rajouter un petit... détail. Hey, c'est vraiment... C'est doux. Ouais. C'est très confortable. On a aussi, dans les mêmes motifs... On s'est énervé, là, parce qu'on aimait bien le motif. Là. On a la belle casquette, la Rosie aussi. Étant enfant, par contre, encore une fois, on vous suggère vraiment d'aller voir la charte de grandeur parce que moi, je peux mettre du 52... Ouais, c'est ça. Ça dépend vraiment de la... 52, 56.
Ouais. Fait que ça dépend de ta circonférence. Alex, ça moi, fait pas. Moi, ça fait pas. Moi, c'est. Fait que vous voyez la meilleure exemple. Une sur deux. Fait que vraiment, si vous. Je sais qu'à la dernière fois, c'était quoi la modèle de casquette avec les fleurs? La Esme. C'était comme le même genre, puis on le sait, vous avez vraiment trippé. Fait que, tu sais, je l'avais suggéré, puis il y a beaucoup de mamans qui l'avaient acheté en 52-56. Fait que même chose, prenez le temps de mesurer vos têtes. Sinon, bien, est que en enfant. Dans le fond, la plus grosse grandeur, c'est la 52-56. Exact. Puis on a ici le petit chandail agate. Wow. Dans le même motif. On va vous montrer à la fin du vidéo les possibilités de mix and match dans notre collection. Vous allez voir, il y en a vraiment infini, quasiment. Il y en a beaucoup. Ouais, vraiment très, très... Tu sais, un petit, on dirait, tu sais, j'aurais tendance à dire quasiment un basic, pas basic. Tu sais, mais tellement avec. Couleurs exactement. Que tu peux le mixer avec. Autant avec des jeans qu'avec, rose, pâle, bleu, émeraude. Bleu foncé, vert. Tu sais, fait que ça va vraiment être un morceau de garde-robe que vous allez pouvoir mettre vraiment souvent, là. Ça ici. Ensuite, dans le matchy-matchy, on va avoir. Lui qu'Alex a là. Lui que j'ai. Le Betty. En fait, je vous jure, là, ouais. La douceur. Ceux qui ont eu l'ensemble, là, le Frésia, il y a plusieurs collections. Oui, le One Piece, c'est avec la petite. Ouais. Il était tellement doux. Mais lui, là, je vous dirais que ça on ressemble. On est beaucoup partis de ce morceau-là. Ouais, le One Piece fleuri un peu là, pour cette collection-là. Oui. C'est la douceur. La composite de tissu. Oui. Honnêtement, ah, c'est léger. C'est parfait pour l'été, là. Pour vrai, tu veux pas avoir trop chaud. Tu sais, autant les petits matins frais que. Ah, sérieux. Puis, tu sais, comme moi, je porte zéro du small dans la vie. Ça, c'est small, ça, là. Ça, c'est un small. Fait que c'est pour vous dire que le look serait aussi beau un large qu'un small, là. Ça fait vraiment deux looks complètement différents. Mais c'est. Même si vous vous trompez encore une fois, exact. Encore une fois, on essaie de plus en plus que de small, medium, large, ça te fasse bien, tu sais. Exact. Ouais, vraiment très. Les couleurs sont tellement belles. Puis. Très doux. Ouais. Aussi, dans le matchy matchy, on a le petit le Julia. Madame, c'est mon morceau préféré, mais je dis tout le temps ça à tout. Celui-là, encore une fois, que tu prennes du small, que tu prennes du large, il va bien te faire le look. C'est exactement la même couleur que le Malik, le Eden. Ouais, oui, non, ça ressemble. Ben, pas mal, moi, je trouve. Ouais. Sont-tu la c'est même? Vrai? Oui, pas mal. Fait que si vous aimez le cognac de nos hoodies d'avant, vous allez vraiment adorer. Là. C'est vraiment crew neck. Oui. Crew neck, c'est non, un crop top. Oui, crop top. Mais tu sais, il est vraiment pas trop court. Ouais. Tu sais, exemple que je le mets avec un jean style haute, on voit pas la bédaine. Là. Exact. Puis tu sais, moi, j'aurais même tendance à mettre ça avec du sport. Ben oui, si tu mets c'est ça super par beau. Avec sport, un legging, là. On va vous montrer tantôt des mix avec les robes. Vous allez capoter. C'est super ouais, beau. Vraiment. Oui. Fait que comme ça en cognac. L'autre... Matchy-matchy, on a le petit short. Là, ici, on l'a en enfant, mais on l'a aussi en adulte. En adulte. Et là, vous allez capoter parce que vous étiez plusieurs à dire que les Jenny étaient raides. Et là, on s'est dit, c'est la dernière fois qu'on va se le faire dire. Vous allez voir. Take a note! Une douceur, là, genre, vous n'avez pas idée. Mais non, mais c'est, moi, c'est, je te le dis, c'est, j'aimerais ça qu'ils peuvent, genre, toucher. Un jour. Tire de ton bord, mettons. C'est, ouais. Ouais. Tu sais, dans les quatre sens, là, comme ça, mm-hmm. Puis comme ça, il y a une élasticité qui. Genre d'affaire que t'es haut en bain, tu peux le mettre pour dormir, que genre pour. C'est vraiment les détails. Moi, on tenait vraiment aux petits. Les petits. Comment on avait appelé ça? Les petits pompons, pas pompons, là. Je sais pas comment. Puis le fait que ça recouvre par-dessus, là. Ça fait c'est... bien. Le fit est vraiment beau. Puis ça, passe partout, là. C'est vraiment. Ça va avec tout. Tout. Parce que c'est couleur jeans, mais pas jeans. Non, c'est fait ça. C'est comme la meilleure des deux mondes. C'est malade. Malade! Ça ici. Ensuite, on tombe dans l'homme. Oh non. Matchy-matchy. On a ici le Bali turquoise. La couleur est vraiment belle. Puis, encore une fois, le tissu. Oh mon Dieu. OK, mais si vous c'est avez doux. Nos autres t-shirts, c'est pas la même chose. On dirait que c'est froid. C'est... Oui, bien, pour vrai, c'est comme frais. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, là, mais c'est très, très. Très doux, très léger. Ça fait été. Puis, celui-là, tu sais, honnêtement, gars-fille, ça peut être super beau. Ben oui. Moi, cette couleur. Il est vraiment léger, là. Ah, vraiment. Vraiment. Très, très beau. Ouais. Donc, en matchy fille, en matchy gars, en matchy enfant, en matchy adulte. Ouais. Et les derniers matchy, casquettes. Oui.
Gros coup de cœur. Oui. On va tous vous présenter les casquettes et vous dire ce qui se fait en adulte, ouais. OK. Fait que les Matchy Matchy, on a celle que je porte. Ah, ouais. La... C'est la Hubert. La Hubert. Puis, ce que moi, j'ai dit hier, quand Alex nous a montré, là, ce que c'est comme un détail que j'aime vraiment, c'est toutes les couleurs de... Non, oh, c'est toutes les couleurs de Snap que je trouve qui fait tout tellement bien. Contraste. C'est noir. Ah, bref, ben, c'est ça, contraste. Ici, ouais. La noire avec la Hubert adulte-enfant. Puis, c'est vraiment, c'est le même... Ce qu'on se fait toujours dire dans les casquettes, c'est le pas le size, ouais, comment on dit ça? Le fit. Le fit, la casquette, ils font bien à tout le monde. Tout type de taille. Ouais, vraiment. Celle-là ici. Que je ne pensais pas aimer et que finalement, c'est comme ma préférée. Tu veux-tu la mettre, montrer comment elle fait bien? Ah ouais. Elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Elle fait bien autant en arrière qu'en avant. C'est ça qu'on aime des palettes droites, là, en fait. Hey, sérieux. Elle est débile. La couleur, elle sort tellement bien, là. Le fait, ça ici, contraste. Blanc, là. Même chose. C'est là que j'ai eu un coup de cœur, le blanc. Puis si tu la mets de face. Là, j'ai pas de miroir. C'est vous, mon miroir. C'est vraiment très beau. Très beau. Ouais. Pour, c'est vraiment le morceau qui m'a le plus surpris, moi. Ah, puis la couleur, là. Ouais, je pensais, ouais. Quelque chose. Vraiment. Fait que ça ici, bon, on va remettre ça si vous voulez pas avoir peur. on a aussi celle-là. C'est tout. Les autres qu'on a pour cette collection. Mais encore là, je me répète. Ouais, ils peuvent faire prenez aussi... votre charte de grandeur de tête. Là. Il y a un tutoriel, il y a une petite bulle marquée mesure. Je vous ai fait un tutoriel comment mesurer votre taille. C'est super simple. Tu ne te trompes pas avec ça. Fait que si vous rentrez en 52, ça veut dire que vous pouvez mettre toutes là, tu sais. Ouais. On a ici, vous avez capoté sur la Tulum, il y a plusieurs collections. Qu'est-ce qui était revenu? C'était au niveau de l'ajustement. Avant, il n'y en avait pas. C'était vraiment une casquette qui était en fait, la Tulum n'avait pas d'ajustement. Exact. Elle était flex. Ce qui veut dire qu'en arrière, il n'y a pas de snapback qu'on appelle. Et là, c'est la modification qu'on a faite. Le même tissu, tissu piscine. Yes! Donc, qui sèche vite. Oui, puis qui ne décolore pas dans la piscine. Mm. Honnêtement, c'est sûr que si vous mettez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chlore comme n'importe quel tissu, c'est normal. Mais mettons que vous laissez ça, OK, traîner, versus un autre tissu. Ça va sécher beaucoup plus rapidement, là. Puis pas juste ça, elle va rester la même couleur. Oui, parce que moi, je vais donner l'exemple. Quand je suis allée en voyage, Sophie, elle l'a mis dans c'est la mer, dans la piscine. Puis je vous la montrerai. Probablement que vous ne sauriez même pas quelle est laquelle. Mm-hmm. C'est ce qu'on aime du tissu. Oui, vraiment. Fait que celui-là ici, je vais vous montrer. Ça ici. C'est shiny encore. Shiny. Ça. Ouais, elle est vraiment belle. Vraiment très belle. Puis goffille. Ben oui, turquoise, comme on disait tantôt, c'est la couleur de prédilection de mix. Mauve, vraiment. Qui est vraiment belle. Avec la veste arrière, là, c'est magnifique. Mm-hmm. On va tout vous montrer ça, les petits mix. Ça et la belle bleue. Qui est comme un bleu, un peu couleur jeans, mais pas, je sais pas comment expliquer. Un bleu passe-partout, tu sais. Ouais. Je trouve, là. Tu sais, comme, bleu. Tu vois, t'as aucun bleu dans ça, puis je trouve que ce serait pas laid. Ah, mais. Parce que ça fait couleur jeans. Elle est vraiment très belle. Oui, puis le petit snap blanc, encore une fois. Puis, coup de cœur pour les snaps. J'aurais jamais pensé dire ça. Et celle-là ici. Yes! La camping, campeur. Ouais. Comme ça. La campeur, ouais. Elle est vraiment belle. Puis le tissu, là. Ah, ça, sérieux, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. J'étais comme, voyons, c'est vrai, j'ai encore le truc. C'est très, très léger, là. Fait que l'enfant c'est confortable, vraiment en fait. Pas chaud. Mm-hmm. Fait que voilà nos modèles de casquettes. Ça ici, c'est les Nikki. Je les aime tellement. Pour vrai, là? La même chose, Nikki. Si vous pouviez... Si vous achetez une paire de shorts que vous aimez, vous allez toutes les aimer. Ah, sont douces. S'ils aiment, mettons, la seule paire de shorts qu'ils ont acheté, c'est tout un tissu de ultra même. Ultra doux. Ouais. C'est vraiment très léger, très doux. Hey, ça fait tellement passer à années... C'est un peu ça, notre inspiration. Années 80 même. On m'en dit 90, mais... Ma mère, elle avait sûrement un chandail à la main, mais à quel point c'est beau, tu sais? Ah, vraiment. C'est vraiment beau, ouais. Vraiment, puis tu sais, la coupe est vraiment parfaite, là. Puis ça aussi, ça a été un design vraiment long, parce qu'au début, on était plus dans le tie-dye, là, on voulait pas trop, c'était trop pareil. Là, après ça, en tout cas, mais finalement, c'est débile. C'est magnifique. Ouais, vraiment. Ouais. Très contente. Ça ici, ensuite de ça, ceux-là. Très mixte, je dirais, hein? Ouais. J'aurais tendance à dire très mixte. Ouais, vraiment, une taille qui est... Très, très, oups, très, très,
très élastique. Ah, petit détail en tant qu'aïe. Snap. Snap. Comme ça ici. Mais, on a un zipper. Comme ça. Mais à la limite, ils peuvent même pas. Ils les aient pas, là. Exactement. Non, non, c'est ça. Tu peux même l'avoir juste comme ça. Tu le montes d'à titre, là. C'est vraiment pas compliqué. L'enfant n'a pas besoin de monter le zip, là. De petit. J'essaie de zoomer, ouais, OK. Il est vraiment beau. Ça rappelle. Tu sais, autant que c'est comme un truc nerd. Basic. Mais avec le petit détail du cordon. Du cordon. Comme ça ici. Ah, j'adore où qu'on a mis ça. Les petites poches qui font des petites fofottes drôles. Oui, cute, encore une fois, les petites poches. Là, je vous le dis, quand on lave un vêtement qui a des cordons. Truc 101, Alex. Très, très, très important. Attachez-le. Faites une boucle pour éviter que le cordon sorte. Quand les cordons sortent, là, c'est pas parce que c'est de la mauvaise qualité ou quoi que ce soit, c'est normal. On a fait plusieurs tests, on a mis des cordons plus larges, on a mis des cordons plus petits, des cordons ronds, des cordons pas ronds. Ça revient tout en même temps. Ça revient tout en même. Ça va sortir si, veux pas, s'il y en a un qui a tiré plus que l'autre, c'est normal. Fait que attachez-le toujours quand vous le lavez, puis vous aurez pas ce problème-là. Une belle petite boucle. Yes. Fait que celle-là, l'autre, notre petit short maillot, ici, le Noam. Inspiré du beau Noam. Ben oui, un beau petit mannequin. C'est ici. La longueur est vraiment belle. Ouais, c'est le même fit que les shorts Vince. Fait qu'il faisait vraiment bien. On n'a pas mis dedans de filet. Parce qu'Alex les coupe toujours! Parce que moi, pour vrai, je les coupe toujours. William, il est toujours échauffé dans les zènes à cause de ça. Fait qu'on n'a pas mis de filet. Tu sais, quand on vous dit que c'est vraiment nos priorités, ouais. C'est vraiment, on se base sur nos enfants, puis là, on est allé avec ça. C'est plus facile, mettons, tu sais, l'enfant veut mettre un boxeur, là. Mm-hmm. Mais qui met un boxeur en dessous, mm-hmm. Tandis qu'un filet, justement, faut que tu le coupes. Exact. Fait que pas de filet pour le. Ouais, puis il va pouvoir le porter en short régulière. T'oublies ton maillot, bien au moins, il va pouvoir se baigner avec. Très, très, très bonne solution. Ouais. Fait que lui ici, le Henri, il va super bien avec les shorts maillot que vous avez vus un petit peu plus tôt. Honnêtement, encore une fois, vous aimez vraiment le ligné, on a remarqué. Fait qu'on se gâte. Ouais, vraiment. Ligné. Super beau. N'hésitez pas en commentaire à nous mettre les motifs que vous aimez. Tu sais, mettons picoté ou ligné ou. Carotté. Carotté, ouais, ben oui. Ici, on a le Jamie. Vraiment beau. Très, très beau. Il me fait penser à, tu sais, le crewneck bleu, pâle, bleu foncé, qui avait ce genre de rayures, je sais pas comment expliquer ça, là. Ouais, c'est comme des slash de brosse. Et là, j'adore la touche de gris. Parce que ça fait que tu peux mettre autant avec du gris que du cognac. C'est rare, ça, là, que ça fait autant avec les deux. C'est vrai. Très beau. Il est vraiment très beau. La petite poche. On a ensuite le Bali en gris. Un passe-partout, un basic. Très beau. Ouais. Fille gars en masse. Lui ici. Mon préféré. Je capote. Moi, c'est le print que j'ai envoyé à Alex. Puis j'ai dit, on part de ça, de ce que j'avais envoyé. Puis c'est sûr, je veux quelque chose de même pour mes enfants. C'est sûr que je mettrais à mes trois enfants, mais genre avec n'importe quoi. Hey, un petit jeans. Lui, il peut porter. Un jeans. Mais des short jeans, autant comme un legging noir. Un biker shirt. Moi, j'adore. Ouais, mon morceau, tu sais, même le petit rose, là, ou... Marine. Tout. Ouais, mon morceau préféré. Ça ici. Tropical. Parlant de motif, un autre motif qu'on tenait à faire. Le campeur. Avec les petits Will and You. Ah, il est vraiment beau. Ouais, j'adore. Encore une fois, vraiment doux. Ouais. Puis le gris comme ça, chiné de même, là, tu sais, c'est sale, ça paraît pas. Exact, on aime ça avec des enfants. Ça ici et... De la Swan. Et non le moindre, le Gab. Genre, c'est quoi ce tissu-là? C'est malade, là. C'est fou. C'est le seul morceau qu'on a dans ce tissu-là. Ouais. Puis on n'a jamais rien fait là-dedans. C'est léger, là. C'est comme... C'est vraiment très léger. Oui, une doudou. Je sais pas comment expliquer ça. C'est un couvre-lit. C'est très difficile à expliquer, mais honnêtement... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est... on le voit bien. On le voit bien à la caméra. C'est vraiment représentatif de... C'est très léger, c'est doux. C'est pour l'été, pour vrai, là, ça se passe zéro trop chaud. Exemple, le matin, ton enfant part à l'école au mois de juin. Je vais montrer à l'intérieur. Là, c'est vraiment... voyez-vous? Pas tant. Puis le détail en bas. Ouais. J'adore ça. On a fait mettre un contraste de couleurs. Vraiment très beau. Tout est vraiment très beau. C'est magnifique. Donc là, on vous prépare, on vous montre tous les mix
and match que vous pouvez faire juste en achetant sur Will & You. Si on part ensemble du chandail Bali, là, vous aimez bien le chandail Bali, on vous montre tous les mix qui sont beaux. Les petites shorts, ben en fait, toutes les shorts, toutes nos shorts, toutes nos shorts. Sauf le maillot. Oui, même le maillot. Ouais, maillot le maillot, aussi. Le maillot aussi. Donc, regardez, short 1, short 2, short 3, hey, c'est tout. Fait qu'imaginez, vous achetez ça et ça vous fait tout. Ces kits-là. Même celui-là, c'est pas lit. Oui, ben oui, c'est pas le même vert, mais c'est tellement beau, je trouve, des teintes de vert. Même chose avec les casquettes. Regardez ça. Hop. C'est vraiment magnifique. Avec ça. Ouais. Avec la rosie. Tout va bien. Même si, exemple, vous prenez peut-être pas ce short-là, mais si vous avez. Vous partez là, pour la journée. Là. Puis là, hop, on met ça, puis ça. Oups. Ça. Avec peu importe. Quelle casquette neutre, t'amènes ça pour la soirée. C'est réglé. Vraiment beau kit. Ça ici. Avec ce t-shirt-là, même pour filles. Là. Ben oui, filles, garçons, même chose. Même chose. Comme ça. T'sais, ça, tu peux, pour garçons, tu peux aller ajouter la petite veste comme ça. Tellement d'options, là, vraiment. Avec ça. On part du chandail Agathe. Ouais. Agathe Caillou! C'est sûr que si vous êtes très motivé, vous pouvez y aller dans le mix. Là. Ça serait même pas laid, je pense. Non. Tu sais, vraiment, ça fait pas trop mix. Tu sais, si c'est... tu mets un bon neutre. Ouais, de même, exactement ouais. Comme ça. Puis même avec celui-là, regarde. Oh, j'adore ça. Encore une fois, elle fit avec tout. Ouais, c'est beau, même avec elle. Tout. La rose. Ça, ben peut-être, oui. Oui, comme ça, parce qu'on dirait que j'ai osé à cause pas de ça. Collé. Ouais, dessus, oui, ça serait vraiment pas laid. Ouais, ouais, puis même je me demande non, peut-être ben, tu sais une cage. Tout ouais, est beau. J'irais plus ouais, comme ça, ouais. Si vous avez acheté celle-là pour votre petite fille, ça fit. Même ça, tu mets ça par-dessus là. Ben oui, par-dessus les shorts comme on disait tantôt là. Il y a tellement de couleurs que tu sais, ça fait beau, toutes les ouais. Casquettes fit. Je peux mettre aussi le petit Betty. Le Betty. Oui, c'est Le Julia, excuse. OK, oui. Ça. Regardez ça. Tu sais, à la limite, il va avoir le petit bas. Qui va dépasser. Je vais y aller plus réaliste comme ça, mettons, là. Et regardez ça. Wow. Vraiment comme beau. Ça. Avec la comme casquette. Comme ça, la casquette. Tout va être... Tu sais, vous allez acheter comme quelques morceaux qui vont faire... Plein de kits. Tellement de kits. Ça va être facile pour vous de faire une garde-robe d'été, là. Ouais. Fait que ça pour ça. Si on part de la robe... La robe rosie. Mettons, notre premier classique qu'on avait fait, c'était vraiment... Ça, avec wow. Ça, il arrive malade. Vraiment... Malade! On dirait une jupe... Ouais. Ouais, il arrive vraiment, il fit. Là. On l'a vraiment fait à la base pour ça, fait que ça fait vraiment un beau mix. Puis même, vous voyez, là, tantôt, on les avait à côté, puis on s'est dit, « Hey, ça! Ouais. » Le agate, mettons, avec un petit nœud, tu sais, ça va être vraiment un kit, mais oh, ça va tellement être beau! Ah, puis même chose, c'est la même chose, les casquettes, ils fit tout incroyablement bien. Ouais. Vraiment, fait vraiment beau pour la robe. Et si vous aimez notre petit principe de mettre un petit t-shirt, là, vous pouvez mettre prendre en dessous un petit t-shirt blanc. Ah, en dessous, oui, c'est vrai, ça peut être vraiment beau. Ouais, ben, autant en dessous que par-dessus. Ouais. Ouais, vraiment, très, très, très bonne idée. Si on part du t-shirt Henri, qui fit à merveille. Même chose, ça, c'est un mix qu'on a fait pour ça. Le petit maillot qui peut être mis en short normal. Avec les petits shorts. Shorts! C'est magnifique. Ça. Si on parle de casquette, ben, tu sais, moi, je vous le dis, je trouve vraiment que le bleu, il sort en vrai comme un bleu jean. Ça fait que je trouve qu'il fit très avec n'importe quoi. Ouais. Autant que la beige aussi, dépendamment, c'est quoi votre palette. Tu sais, là, même s'il y a des motifs de même, là, c'est sûr que c'est beau comme ça, là. Ben, tu sais, les couleurs encore là ben, sont ça, les toutes mêmes. Les couleurs faites ensemble. On a pris vraiment une palette de couleurs pour que ça soit facile pour vous de faire votre garde-robe. Ça va être super beau. Si vous avez acheté, exemple, le maillot, lui ici, ben, deuxième option facile. Hey, c'est beau. Ouais, vraiment. Vraiment beau. Même là, tu sais, à côté de la casquette Kemper, la bleue, la verte qu'on voit en arrière. Non, pas en arrière. Eh où? Ah, là! Ah, voilà! Regardez ça, ce mix-là. Vraiment beau. Ouais, tout,
tout est beau. Donc, ça ici, même chose. Si on repart, là, on a terminé avec les shorts, qu'on part avec ce t-shirt-là. Si vous l'achetez, exactement. Figa, ça, c'est ouais. Ta kit-là. Figa. Ouais, en masse. Hey, Figa, puis. Ça fitterait-tu, ça? Moi, j'irais plus avec soit la bleue ou la turquoise. Comme ça. Ça. Ben, les ou trois, l'autre. Là. Mais quatre. Les quatre. Ouais. Même la rose. Même la rose. Toute la mauve. Regarde. Tu sais, ouais. En haut, là. Tu sais, on le colle, là, mais. Vraiment. Puis. Le jeans pour filles. Oui, ben, vraiment, comme ça. Regardez ça. Ouais. Super beau. Il y a tellement. Tu sais, on vous montre les premiers qui nous viennent, là, mais il y en a tellement. Là, si on part avec un autre t-shirt. Lui ici. Mon préféré! Regardez, ça risque d'être mon mix préféré, là. Ça, pis ça, là. Ah! Ouais. Genre, hey, ça rentrer dans les petites shorts comme ça avec la petite casquette, genre, waouh! Vraiment beau. Puis encore une fois, tu sais, si mettons, il va plus masculin, mais même ça, je le mettrais aux filles. Oui, aux deux. Tu sais? Ouais, vraiment, encore là, plein d'options. Le petit lunier Jamie, encore une fois, regardez-moi les casquettes. Ouais, vraiment beau, regardez ça. Pouf! C'est vraiment magnifique. Vraiment beau. Puis c'est même avec la veste. C'est ça que j'allais dire, j'allais chercher. Tu sais, même avec la veste, là. Ouais. Hey! Fait que, tu sais, même si vous décidez d'acheter une veste pour l'été, là, elle va fitter avec tellement de nos t-shirts, là. Vraiment, ça va être super. Le t-shirt camper. Les shorts ici. Oh oui, je cherchais. Wow! Ça. Tu sais, encore là. Tu sais, on va toutes les laisser là. Vous allez voir comment que ça fait toute la bleue. Et tu sais, la bleue ici. Avec la veste, ça va être super. La veste, ça, j'allais dire, wow. Regardez-moi ça. Veste, shirt, camper. Même pis, tu mets ça par-dessus. Ouais, vraiment, ouais. Super. C'est ça qu'on disait hors cam, là. Tu sais, dans le fond, là, on vous montre qu'est-ce qui fit avec les vestes, tout. Mais moi, quand j'amène un crew neck, mettons, parce qu'on part pour la journée soirée, même si ça ne fit pas avec ton chandail qui était en dessous, là. Là, il fit, là. Mais exemple que, je sais pas, moi, il va avec lui, c'est pas le même bleu, mais tu sais, on voit pas, tu le caches, fait que dans le fond. Non. Si on part de nos vestes, regardez. Voilà. Tout va. Vraiment bien ensemble. Puis encore là, nos shirts. Les deux paires de shirts. Les trois. Les trois paires de shirts. Shirts sont cachés ici. Shirts. Et les autres. Et shirts. Vous avez juste là-dedans. Vous avez comme une panoplie de mix. C'est incroyable. Si on part de notre petit crew neck. Encore une fois, vous voyez bien, là, c'est vraiment toutes nos palettes de couleurs. Vous partez avec. Oui, les shirts. Les petits shirts. Un petit peu masculine. Ça, c'est super beau, tu sais. Ouais. Ça le cache comme vraiment. Ça. Vraiment. Ça va être super beau. Les casquettes avec la crème, ça va être vraiment beau. Oui, avec ben, la c'est ça qu'Alex a en ce moment. Ah. Vraiment un beau mix. La casquette beige avec le crew neck. C'est très beau. La rosie, c'est super beau. Oui, ici. Oui. Ça ici, la turquoise. Comme ça. Encore une fois, la bleue. Moi, je trouve qu'elle fait avec toutes, là. Oui, ouais. Vraiment. Donc, vous voyez tous les mix que vous allez pouvoir faire. Juste, même si vous achetez une partie de la collection, allez-y logiquement. Prenez le temps d'y aller logiquement, faites-y reculer. On va vous montrer en publication, en story aussi, des mix qu'on vient de vous présenter pour que ça reste comme... Si vous voulez faire un screenshot, mettons, ça va être beaucoup plus facile pour vous. Donc, voilà! Puis, si je peux rajouter une dernière petite chose... Tu peux rajouter tout ce que tu veux. Super important de savoir qu'on offre maintenant le saison. C'est zéro pour encourager ce mouvement-là, mais c'est une possibilité. Tu sais, exemple, vous voulez vous assurer d'avoir tous les morceaux que vous voulez, mais que vous dites « crème ma paye » juste dans 2 semaines, tu sais. Oui, puis vous savez que ça part. Ça part les quantités, c'est dur pour nous de décider, là. Oui. Tu sais, ça se peut qu'il nous en reste pendant 2 ans, comme dans 20 minutes, tout part. Tu sais, on le sait pas, c'est dur, là. Le fait de prendre le mode de paiement saison, pour vous, ça vous coûte absolument rien. C'est divisé en 4 versements égaux. C'est pris aux 2 semaines.
pour 4 versements, puis sans intérêt. Fait que ça vaut la peine. Vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez. C'est juste un mauvais timing, la date. C'est ça. Ça se peut, là. On... Exact. Des fois, on attend une rentrée d'argent ou n'importe quoi. Au moins, ça va vous laisser la possibilité d'avoir vos vêtements sans vous stresser. Exactement. Puis, surtout que c'est des beaux mix. Hein. Exactement. Il n'y a pas d'intérêt. Non, c'est zéro sans intérêt. Exact. Fait que j'espère que vous aimez puis que vous allez nous montrer aussi. Oui! Hey, puis tu sais, c'est ça, gênez-vous pas. Puis il y en a tellement qui font des beaux mix, exemple, avec un chandail de gars, vraiment, que nous, on avait présenté en gars, mais avec une jupe. Puis tu sais, à chaque fois, on est comme, hey, puis nous, ça nous influence à le faire aussi, tu sais. Ben oui, puis dites-nous aussi en commentaire, comme on vous a dit, les motifs que vous aimez, ben qu'est-ce que vous aimeriez avoir. Nous, ça nous aide tout le temps, tu sais, c'est pour vous qu'on le fait. Exactement. Fait que, c'est important de nous dire vos comebacks. Yes! Merci! J'espère que vous vous êtes fait votre liste d'épicerie, gang! Et bien préparé pour le lancement de demain. En fait, si vous écoutez ça mercredi, le lancement est demain. Jeudi, le 31 mars à 20h. N'hésitez pas si vous avez des questions. Faites reculer la vidéo, faites votre liste d'épicerie. Petit truc, allez-y par recherche. Si maintenant vous avez eu le coup de cœur pour la veste Noémie, marquée Noémie, ça va vous le sortir tout de suite. T'sais, soyez prêtes. Puis, hey, ayez bien du plaisir et bon magasinage!